Salut les amis, je suis le Camerounais Arnold et aujourd'hui nous allons écouter le nouveau son de Loco dont le titre c'est Les Bruits. J'ai entendu beaucoup de gens parler de ce son, j'ai vu ça partout dans les réseaux, en fait tout le monde en parle et j'étais vraiment curieux de savoir mais pourquoi est-ce que tout le monde en parle de ce son? Donc du coup j'ai décidé d'écouter ce son en live, là c'est-à-dire en vidéo et puis vous allez voir ma réaction naturelle en fait. Et à la fin de la vidéo je vais aussi donner mon opinion à propos du son, je vais dire ce que j'en pense de ce son. Ce que j'ai retenu du son, vous allez voir un peu quoi. Donc du coup, sans plus tarder, allons-y découvrir exactement, mais pourquoi est-ce que les gens parlent autant de ce son? Allons-y découvrir. En passant, le nouveau, c'est-à-dire le titre sur les bruits. Je pense que c'est un nouveau mot que les Camerounais ont commencé à employer. J'ai suivi ça un peu partout. Je ne sais pas exactement ce que le mot les bruits veut dire. Peut-être que ça veut dire peut-être. Je pense sûrement que ça veut dire je ne vous gère pas. Peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que ça veut dire. Parce que moi, je ne connais pas. Je suis pas au pays actuellement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc, dites-moi en commentaire ce que le mot les bruits veut dire. J'ai entendu pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Et voilà que le corps fait un son avec à propos. Donc, du coup, allons-y. Quand j'étais dans mes palas, pourquoi t'étais pas là? Quand j'étais dans les palas, pourquoi t'étais pas là? Ils disent du mal de moi quand ils sont avec toi, mais feront parler de toi seulement quand je n'étais pas là. Seulement quand je n'étais pas là. Dès le début, je peux déjà voir qu'ils parlent des hypocrites. Parce qu'ils disent du mal de moi quand je ne suis pas là. Et ils diront de même de toi seulement quand tu n'es pas là. C'est-à-dire, ils parlent déjà des hypocrites. Dès le début du son, je peux y décortiquer exactement de quoi il va parler dans le son. Bon, continuons. Le temps d'y penser, faut que j'aille de l'avant. Oh, ah. Quand j'étais dans mes palas, pourquoi t'étais pas là? Quand j'étais dans les palas, pourquoi t'étais pas là? Ils disent du mal de moi quand ils sont avec toi. Ils feront pareil de toi, c'est moi quand tu n'es pas là. C'est moi quand tu n'es pas là. Y'a pas l'amour dedans. Elle veut 100 000 pour le taxi. Y'a pas l'amour dedans. Elle veut me parler du passé. Pas la peine de ressasser. Elle refuse d'oublier. Laisse-moi te rappeler que. C'est mon quand tu n'es pas là. C'est mon quand tu n'es pas là. Je dis, je n'aime les gens. D'abord, je suis dans les bruits. Après, le bébé, seulement. Moi, je n'ai plus le temps. Je dis, je n'aime les gens. D'abord, je suis dans les bruits. Après, le bébé, seulement. Oh! Oh! Oh, magie! Le son était génial. J'ai aimé le son du début à la fin. J'ai aimé le message que le son relayait. J'ai aimé la mélodie. J'ai aimé le flow. J'ai tout aimé dans ce son. Franchement, Loco, chapeau. Chapeau. Ceux qui n'ont pas encore écouté ce son-là, allez-y écouter. Vous n'allez pas regretter. J'ai franchement aimé le son. It's catchy. It's catchy. Catchy, c'est, je sais pas comment dire ça en français, mais catchy veut dire. Ça te fait avoir l'envie de chanter, quoi. Ça te fait avoir l'envie de danser. Quand tu écoutes ce son-là, automatiquement, tu te mets à bouger, tu te mets à danser, tu te mets à chanter automatiquement. Franchement, j'ai totalement aimé le son. Loco, je te donne le chapeau.
Franchement, ce son était génial. Mais je comprends pourquoi il n'a pas sorti la vidéo avec le son, en fait. Bon, c'est que certains artistes, ils aiment sortir d'abord le son audio. Ils voient comment l'audience aime. Si l'audience aime beaucoup, ils vont sortir la vidéo plus tard. Je pense que c'est ce que Loco va faire. Et moi, je pense totalement que ce son mérite avoir une vidéo. Je pense que ce son mérite totalement avoir une vidéo. Et le message que j'ai retenu du son, c'est de l'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie, il parlait en fait de l'hypocrisie dans le son. Quand tu es là, les gens parlent des autres. Quand tu n'es pas là, c'est de toi que les gens parlent. Donc il faut faire très attention quand quelqu'un vient te parler des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sache que lorsque toi tu ne seras pas là, c'est de toi qu'il va parler aux gens. Il faut faire très attention à ce genre d'amis-là. Et pour ceux qui connaissent Loco, il chante en français et il chante en anglais. C'est-à-dire, il a des audiences francophones et il a des audiences anglophones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Loco est parmi les artistes au top, quoi, dans la musique camerounaise actuellement. Quand on parle de la musique camerounaise, Loco est au top. Loco est parmi les top artistes camerounais actuellement. Et c'est grâce à son habilité de pouvoir chanter en français et en anglais. Vraiment, Loco, chapeau pour ce son. J'ai vraiment aimé ce son. Et je recommande à tout le monde d'aller vraiment écouter ce son et d'aller partager au maximum que la musique camerounaise déborde les plafonds du monde. Nous pouvons le faire. Nous avons la communauté pour ça. Nous avons les talents pour ça. Et c'est à nous donc de pousser notre musique au plus haut. Nous devons pousser nos talents au plus haut pour que la musique camerounaise déborde les plafonds. Vraiment. Je vous implore, les amis, allez écouter ce son, allez partager ce son partout, 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 que ce son atteigne plusieurs millions de vues. Oui. Pour ceux qui ont des vidéos auxquelles ils aimeraient que je réagisse, vous pouvez juste les mettre en commentaire. Et puis, je vais réagir. Je vais donner mon opinion à propos. Merci à ceux qui m'ont envoyé le son de Loco. J'ai vraiment aimé. Merci à ceux qui m'ont envoyé ce son. Et ceux qui ont des sons, en fait, qu'ils aimeraient que je réagisse. Mettez juste le son en commentaire, le titre du son, le nom de l'artiste, pour que je puisse chercher le son et que je puisse réagir. Et on va faire comme ça de temps en temps. Et ça doit être un son camerounais ou alors africain, mais surtout camerounais. Donc, donnez-moi vos opinions en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau son de Loco, les bruits? Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau son? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer? En fait, donnez-moi juste vos opinions en commentaire et puis on va en discuter. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté le son jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit ma page Facebook, que ce soit mon compte Instagram, c'est Le Camerounais Arnold. Le Camerounais Arnold. Abonnez-vous dans tous mes réseaux et puis restons connectés. Et ensemble, nous allons élever la culture camerounaise au plus haut. Merci, merci, merci. Abonnez-vous. À très bientôt.